présente. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'In The Boîte, le jeu où l'union fait la... Un séjour à gagner pour l'une de nos familles si elle arrive à faire tomber le terrible labyrinthe et l'esprit de la boîte. Et en parlant de deux familles, qui sont-elles aujourd'hui, esprit ? Allô ? Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à l'esprit de la boîte, s'il vous plaît ? Bonjour monsieur, je suis Morissette, la grand-mère de l'esprit de la boîte. Oui, bonjour Morissette. Et bah, il est où l'esprit, alors ? Eh bien, je peux pas vous le passer, il mange son gâteau au chocolat et son grand verre de lait pour être costaud. Oh bah oui, il va être costaud, il est en train de faire son petit goûter, alors l'esprit, allez, présentation des familles. Oh bah si, on peut plus manger tranquillement, alors aujourd'hui nous accueillons la famille Ahmed, composée d'Isabella et ses enfants, Rami 11 ans et Aya 8 ans et demi. Toute la famille est passionnée de patinage artistique, ils rencontreront la famille Wolelawski. Sophie, prof de dessin, est venue avec ses filles Charlotte, 8 ans et Zoé, 10 ans. Elles adorent découvrir de nouvelles langues, comme le chinois. Voyons si nous parlons la même langue. Mais bien sûr que tout le monde parle la même langue. Allez, je vous propose sans plus tarder de passer à la première manche. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des résidences de notre partenaire. Et aujourd'hui, le challenge et le mime, et on commence avec les Ahmed. Ça va les Ahmed ? Ça va ! Alors Isabella, vous êtes polonaise ? Oui. Oui. Polonaise de cœur, polonaise de langue ? Partout. Partout, exactement. Et alors comment on dit je suis super contente d'être là ? Jestem bardzo szczęśliwa ! Olé ! Olé ! Aya, tu fais du patinage artistique ? Oui. Et tu es une championne, puisque oui. Tu as une coupe juste à côté. T'as fait combien ? Première. Première à quel championnat ? La coupe gargeoise. Qui est un petit peu le championnat de France. Superbe, donc une famille de sportifs. Cri de ralliement pour vous. La famille Ahmed. Isabella, venez avec moi. Venez vous mettre en place. Ici. Alors, est-ce que vous savez mimer ? Non, je vais essayer. On va essayer, d'accord ? Tout va bien. Tout va bien se passer. On se concentre. Le sourire. Vous dites je suis détendu en polonais, allez-y. Jestem rozluźniona. Voilà, 1 minute 10 pour tenter de faire deviner un maximum de mots aux enfants. Nous cherchons des sports. Voici le premier sport. Top chrono. Le basket. Et non. Le handball. Non. Le volleyball. Le volleyball, bien joué. Regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'elle fait. Elle joue à quoi là ? Souvent. Elle... Ok, on passe. Ah, karaté. Karaté, bonne réponse, bien joué. Tennis. Ping-pong. Oui, ping-pong, bonne réponse. Allez, on continue. Billard, bonne réponse, allez c'est parti. Bah oui. Danse classique. Non. Patinage artistique. Bonne réponse. Ah. Ok, on passe. Suivant. Tennis. Non, c'était pas ça. Oui. Bowling. Oui, bonne réponse, bien joué. Non, il connaît pas. Alors, ça va revenir sur celui-là. Et oui. Bowling. Non. Ça a l'air plus petit que le bowling. Dommage. Et arrêt du chronomètre. Donnez-moi la main. Regardez toute la France et vous pouvez saluer la France. Merci. Car vous avez été extraordinaire. Attention, Madame Ahmed. 600 points pour vous, si vos découvertes. Vous pouvez regagner votre zone de jeu avec le sourire. Bien joué. Bravo Isabella, on aurait dit une danseuse. Ah bah ça c'est sûr. Hein.
Comment ça va les Boleslavski? J'ai bien dit Boleslavski. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Alors c'est bizarre parce que Madame Ahmed, elle aurait pu aussi s'appeler Madame Boleslavski sur le coup. Hein. D'ailleurs, elle prononce beaucoup mieux que nous. Ouais, je suis sûr ça. Vous êtes de quelle origine? Polonais. Polonais également. Mari. Et vous savez parler polonais? Ah non. Ah pas du tout. C'est lui là, le responsable. Il est où? Levez la main. Bonjour monsieur le responsable. Sophie, donc vous êtes prof de dessin? Oui. Depuis toujours? Non. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, donc, j'ai fait une reconversion. Et avant, effectivement, je faisais tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Et vous êtes contente maintenant de faire du dessin? Donc vous auriez adoré avoir le challenge dessin aujourd'hui. Oui, dommage. Mais je crois que c'est raté. Eh ben ouais, c'est raté. Dommage. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mime. Cri de ralliement pour vous. Avec les Boleslavski, on est ravis d'être sur Gulli. On est conquis, tous au tapis. Il y a pas d'ennui. Et c'est parti. Venez me rejoindre, Sophie. Sur la zone de jeu. 1 minute 10. Nous cherchons toujours des sports. Vous êtes prêtes? Voici le premier sport. Top chrono, c'est parti. Tir à l'arc, bonne réponse. Football, bonne réponse. Bien joué, on continue. Basketball. Non, regardez. Golf. Non. Salut, au revoir. Baseball. Oui, bonne réponse. Revenez. Et... Allez. Oui, bonne réponse. Revenez. C'est pas mal. Alors... Golf. Non, danse pas du tout. Classique. Non. Vous avez le droit de passer. Saut à cloche-pied. Non. Ok, vous passez. Vite. Plus dur. Oh là là, vous êtes pas sympa avec moi. Bonjour madame. Gymnastique. Non, ça va? Abdos. Non, bah non, c'est pas des abdos. C'est un sport. Je passe. Divers, dommage. Ah oui. Avion. Non, un sport. J'aurais dû passer. Et top chrono. Alors non, alors vraiment Sophie là. Alors Sophie oui. Alors Sophie. Sophie, c'est la première fois que je vois ça. Vous avez explosé le plateau. Vous êtes allé partout. Vous avez pris toute la place pour ces sports. Avec beaucoup de succès. Oui, mais extrêmement drôle. Et en plus, ça a marché puisque vous avez réussi à faire deviner 4 mots aux filles. Pas mal. C'est mieux que rien. Ça nous fait quoi au score, esprit de la boîte? Eh bien, la famille Ahmed est en tête avec 600 points, suivie de très près par la famille Boleslavski avec 400 points. Très bien. Alors, Isabella. Oui. Comment est-ce qu'on dit manche suivante en polonais? Następnym razem. Allez, następnym razem. Isabella et Sophie, vous avez fait le show, vous avez été extraordinaires encore une fois, nos comédiennes du jour. Grandiose, un grand moment. Allez, à présent, voici les questions avec 3 propositions de réponse. 200 points par bonne réponse. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Oh, Isabella, j'adore votre voix. Uno véritable castafiore. Première question. Dans un clip tourné dans un aéroport, quel chanteur est le copilote de Christina Maria? Soprano, Corneille, Calette. Léamed. Corneille. On valide. Vous connaissez le titre, copilote? Non. Pas du tout? Non. Eh bien, figurez-vous que c'est une bonne réponse. Ouais. Et on écoute. Points supplémentaires pour les Ahmed grâce à cette question. À Paris, les amoureux du monde entier ont-ils coutume d'accrocher sur le pont des Arts des fleurs, des rubans ou des cadenas? On valide. Les Ahmed. Cadenas. On valide. Et pourquoi ils feraient ça? Parce qu'ils sont, après ils sont dit qu'ils jamais sont partis, mais toujours ensemble. On reste toujours ensemble. Oui, des cadenas. Voilà. Pour toute la vie. Parce que j'ai regardé un reportage sur ça. Là-dessus. Et ils se cadenassent le cœur. Oui. Avec leur initiale gravée sur les cadenas. Oui. Et c'est une bonne réponse. Oui. Et forcément,
Il jette les clés dans la Seine pour sceller leur amour à vie. Mais qu'est-ce que c'est beau! Question suivante. Dans le mot xylophone, xylo signifie-t-il air, métal ou bois? Léa Med. Bois. Bois. On valide. Xylo est un mot d'origine grecque. Et bois, en grec, se dit xylo. Bien joué. Ah, ça cartonne hein, du côté des Ahmed. Ça cartonne, ça cartonne. Hein. Question cuisine. Ouais. Vous aimez la cuisine? Oui. Vous cuisinez bien? Oui. Les filles, elles cuisinent bien ou pas? Oui. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce qu'elles cuisinent de bon à la maison? Les gratins de chou-fleur. Ah, sympa. Je sais pas si je vais venir chez vous, en fait, là. Un gratin de chou-fleur. Oui. Ah oui, c'est bien. Ça sent bon. Des bonnes ratatouilles. J'ai pas plein de plats. Plein de plats. Des tartes, des quiches. Enfin, ce qui marche le mieux, a priori, c'est le gratin de chou. Hein. Des gratins de l'autre. Oui, je sais pas. Quel plat à emporter est un grand classique de la cuisine britannique? Ah oui, si. Le fish and chips, le hot dog ou le hamburger? Léa Med. Fish and chips. Oui. Bonne réponse. C'est le plat le plus consommé en Grande-Bretagne. Et c'est du poisson frit servi avec des... Pommes de terre. Des pommes de terre, des chips, exactement. Ça nous fait quoi dans les scores respect de la boîte? Ouh là 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 là. La famille Ahmed a pris la tête avec 1400 points. Et 1000 points derrière la famille Polejavski avec 400 points. Aïe aïe aïe. Les filles, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous énerver sur Sophie. Vous allez pouvoir vous refaire maintenant avec la manche suivante. C'est parti. Et aujourd'hui, les candidats vont s'affronter au multi-trou, le mini-golf d'In The Boîte. L'idée est tout simplement de mettre les balles de golf dans les trous qui tournent. Alors attention, j'ai jamais réussi de ma vie. Vous pouvez pas me motiver un petit peu? Aïe! Et comme ça! Français, c'est le plus beau jour de ma vie! Léa Med, vous êtes en tête dans les scores, c'est donc vous qui allez commencer. Venez devant le green, récupérez le putter. Les deux champions, voilà, attention, 1 minute 10, 3, 2, 1, et top chrono, c'est parti. Je vais enlever ma balle quand même, hein. Hop là. Allez, vite. La championne de patinage artistique assure également. Un mini golf. Oula. Motivé par Madame Ahmed, qui sait donner de la voix quand il faut. Ah 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 ah. Oh. Allez. Trop fort. Et non. Dommage quand même. Allez, concentré, on pousse la balle, et oh! Allez. Bah la deux d'un coup, et bah, non, bah zéro. Hein. Oula! Vas-y, Rami, doucement dessus. Allez, chrono! Allez, venez avec moi! Parce que franchement, les Ahmed, vous savez hyper bien jouer. Une balle, deux balles et trois balles dans les trous. 300 points supplémentaires pour vous. Vous pouvez regagner votre zone de jeu avec le sourire. Puisqu'à présent, vous avez 1700 points. Bon, les filles, ça se complique. Vous pensez qu'elles vont assurer au mini-golf? Ouais. C'est les meilleurs. On en est tous persuadés. Les filles, venez vous mettre en place. Allez, go. Une minute 10 pour vous également. Les sportives, elles vont extrêmement vite. Voici le club. 3, 2, 1.
top chrono pour Charlotte et Zoé. Vas-y, Guillemets, dépêche-toi. 100 points, on change. Allez, la deuxième. Allez, la deuxième, la deuxième, la deuxième. Elle y va, elle y va, elle y va. Elle y va. Il y a du niveau. Allez, les filles. Il y a du niveau. Allez, les pupilles. Et... oh, dommage, tout près. On continue, les filles. Les filles, les filles. Tu dois me donner la balle. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, et non, allez, on continue. Et... oh oui, elle y allait quand même. Avec un rebond, un peu de chance, mais ça passe. J'ai rien. Oula, ça y va, oula. Allez, trop court. Vite, la deuxième, Zoé et Charlotte. Allez. Dépêchez-vous. Vas-y. Et bam, bam, non. Allez, vite. Non, toujours, il en reste un coup. Et top chrono. Les filles, venez avec moi. Nous allons voir combien de balles vous avez mis dans les trous. Venez à la maison. Nous avons donc 1, 2 et 3 balles. Effectivement, regagnez votre zone de jeu. 300 points supplémentaires pour vous. Un point sur les scores avec l'esprit de la boîte. 1700 points pour la famille Hamed qui conserve la tête, alors que la famille Bolelavski ne dispose que de 700 points. Allez, on se retrouve pour le quiz des enfants juste après ça. Vous êtes bien de retour sur le plateau d'In The Boîte avec nos deux super familles qui donnent tout depuis tout à l'heure pour tenter d'aller en finale. Pour l'instant, ce sont les Hamed qui mènent la danse. Les Hamed vont donc commencer le quiz. Je vais vous poser une série de 10 questions, 200 points par bonne réponse. Si vous faites un sans faute, vous aurez un bonus supplémentaire de 500 points. Trois thèmes au choix, l'informatique, les aliens ou surprise. On fait surprise, ouais. Je choisis quoi, quoi? On fait surprise. Surprise. Rami et Aya, alors c'est Aya qui mène la danse, hein, a priori. Et surprise. Parce que Rami, il est là, quoi? Que tu dis? Ouais, ok, surprise. Parce qu'il a rien compris. Le thème surprise est pirate. 1 minute 10, qui prend la main? Rami. Parce que c'est le plus grand. Ouais, parce que je suis le plus grand et puis voilà. Tu es prêt? Oui. Top. Dans One Piece, Luffy et ses compagnons cherchent-ils le trésor du redoutable Gold Roger ou Jolly Roger? Gold Roger. Oui, bonne réponse. Aya, Rackham le Rouge est l'ancêtre du Capitaine Haddock. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux, c'est l'ennemi de son ancêtre. Rami, quelle sorte de pirate attaquait les navires pour le compte du roi? Les forbans ou les corsaires? Les corsaires. Bonne réponse. Aya, dans le dessin animé Sam Sam, le terrible Barba Féroce, a-t-il une jambe de bois ou un bandeau sur l'œil? Une jambe de bois. Et non, il a un bandeau sur l'œil. Rami, la chanteuse cœur de pirate, est-elle également connue pour ses nombreux piercings ou tatouages? Tatouage. Bonne réponse. Aya, dans Famille Pirate, la fille de Victor McBernick se prénomme-t-elle Sirène ou Scampi? Scampi. Bonne réponse. Rami, quel personnage de pirate des Caraïbes a bel et bien existé? Barbossa ou Barbe Noire? Barbe Noire. Bonne réponse. Un pirate anglais, Aya, pour se rendre sur l'île de la Tortue, les pirates devaient-ils naviguer vers les Antilles ou l'Australie? Les Antilles. Bonne réponse. Rami, quel roman raconte les aventures de Jim et du pirate Long John Silver? Le secret du coffre maudit ou l'île au trésor? L'île au trésor. C'est une bonne réponse de Stevenson, les Hamed. Cette bonne réponse, 1400 points supplémentaires. Vous terminez votre In The Boîte avec 3100 points, les Hamed. Allez, tape là. Les Boleslavski, il vous faut un sans faute. Vous n'avez pas le choix. Il vous faut le bonus de 500 points pour passer devant et aller en finale. C'est possible? Oui, oui. Il vous reste deux choix, deux thèmes. L'informatique ou les aliens? Les aliens. Les aliens. Vous y connaissez en aliens? Non. Moi, je m'y connais plus qu'en informatique.
Moi, en informatique, et elle s'y connaît plus. Parce que vous connaissez beaucoup d'extraterrestres, vous, des choses comme ça, des martiens. Non. Non. C'est votre truc à vous, quoi. Non. Non. Allez, qui prend la main, Charlotte ou Zoé? Moi. Zoé, 1 minute 10, vous n'avez pas le choix, le sans faute, on est tous avec vous. Tu es prête? Oui. Top. Dans les histoires de science-fiction, comment surnomme-t-on les martiens? Les petits hommes verts ou les petits hommes rouges? Les petits hommes verts. Bonne réponse. Charlotte, à la télévision, quel alien à tête de chewing-gum est le meilleur ami de Samson? Billy ou Néon? Billy. Eh non, c'est Néon. Zoé, dans ses aventures en bande dessinée, Astérix rencontre des extraterrestres. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Charlotte, au cinéma, les agents G et K empêchent-ils les aliens d'envahir la Terre dans Men in Black ou X-Men? Oui. Men in Black ou X-Men? Men in Black. Oui, bonne réponse. Zoé, dans Alien Bazar, quel extraterrestre aime regarder la télévision et manger du caramel? Snoopy ou Dinko? Dinko. Bonne réponse. Charlotte, Sangoku, le héros de Dragon Ball, vient-il de la planète Namek ou Vegeta? Vegeta. Bonne réponse. Zoé, dans Galactic Football, lesquels sont capables de lire dans les pensées de leurs adversaires? Les Cyclopes ou les Xénons? Les Xénons. Les Cyclopes. Charlotte, Superman est un extraterrestre, vrai ou faux? Faux. Eh ben c'est vrai, il vient de la planète Krypton. Zoé, quel zinzin de l'espace adore bichonner le super méga transvolteur? Gorgeous ou Candy? Candy. Candy, bonne réponse. Les Volevalski, vous fallait le sans faute, vous n'avez pas fait le sans faute, mais ça mérite quand même un gros bisou. Voilà, faites-vous, hein, j'adore, vous faites des gros bisous. Et aujourd'hui, la victoire revient à Ahmed. Qui iront affronter le terrible labyrinthe? Les Volevalski, vous êtes amusés? Oui. Vous avez passé un bon moment? Oui. Et c'est le principal? Oui. En plus, vous repartez avec plein de cadeaux. Oui, 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 regardez. Le Robert illustré d'Ixelles, le junior numérique, sans oublier la boîte de jeu In The Boîte offerte par nos partenaires. Les Ahmed, ça y est, vous êtes en finale. Elle est devant vous, cette boîte noire. Ouais. Il va falloir aller le chercher, le retrouver, ce trophée caché dans l'un des 9 coffres. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Vous êtes motivés? Oui. Comment on dit je suis motivé en polonais? Je suis motivé. En fait, je me demande si vous nous dites vraiment la vérité depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tout va bien. Allez, concertez-vous. Allez, les enfants, on rentre, on charge de sortir. D'accord. On pas coincé, on reste bouger, regardez. Même si on trouve pas le... Non, faut pas coincé, pour pas paniquer, pour pas un qui souvient notre. D'accord. Allez, d'accord. D'accord. C'est toi, tu rentres premier, lui, il est deuxième. Derrière toi. Et si je me bloque, maman, je vais lui passer un, voilà, un trou. Allez, on s'est motivé et allez, ça va, allez. Oui. Mettez-vous en place, les Ahmed. N'oubliez pas de récupérer les passes dans la boîte noire, dans le labyrinthe. 3, 2, 1, top. Allez, rentrez. Allez, je continue. Allez, plus vite. Oula. Plus vite. Allez. Debout. Avancez. Encore. Tout droit. Rami, va devant. Rami, t'es où? Tout droit. Rami. Tout droit. Rami, t'es où? Je suis là. Aide-moi. Allez, avancez, tout droit. Il y a un passage en bas là. Tout droit. Avancez, cherchez des sorties. Allez, il y a des tunnels. Rami, t'es où? Allez, à gauche, à droite. Rami, ensuite, à droite. Rami, non, t'es vous là. Vous reculez pas. Rami, t'es où? Allez. Je suis là. Allez, Rami, il y a un deuxième assise. Ok. Allez. Il y a un tunnel. Voilà, vous êtes tous ensemble. Allez. À droite. Rami. À droite. Vous tournez à droite. Ok, À droite, maintenant. Allez, en droite. Il y a un tunnel. Oui, on l'a trouvé. Il y a un tunnel. Oui, on l'a trouvé. Allez. Maintenant, en bas. Rami, attends-moi. En bas. Isabella, dépêchez-vous. En bas. Allez. Rami, t'es où? Non, vous descendez en bas.
Sheila. Allez, allez, numéro... il y a en bas les clés de vous. Il y a un chanteur en bas. Attends, allez, allez, à droite, à droite, à droite. À droite. Allez, à droite, à droite. À droite. À droite. En J'ai... bas, en bas. Y a... Maintenant, vous tournez. Non, non, vous reculez pas. Vous reculez pas. Vas-y, avance, Rami. En bas. Y a rien, y a rien. Avancez comme avant. Avancez. Avancez. En bas, en bas maintenant. En bas. Vous trouvez un sortir qu'il est en bas. Allez, allez, à droite. À droite. T'es où, Rami? À droite. Chargez Isabella, vous n'avez pas les passes. Allez, allez, vous n'avez pas de temps. Allez. Isabella, il faut re-rentrer dans le labyrinthe. Allez, allez, allez. Allez. Vous êtes où? Ah, c'est bon, je l'ai. Ils sont allez, devant allez, les chercher. Casiers, mais ils n'ont pas les passes, Isabella. Il va falloir re-rentrer dans le labyrinthe pour aller chercher les passes. Allez, allez. À droite, à droite. À droite. À droite. Vous reculez en bas, je vois à droite. Allez, vous êtes donc sortir par Rami, ici. Rami, t'es où? Sheila. Allez, allez, Rami, avance, avance. Avancez-vous. Avancez, après, avance. Non, non, reculez pas, avancez. Avancez, avancez. Rami, avancez, non, vous reculez maintenant. Non, non, non. Rami. Avancez. Avancez. Ils sont perdus. Avancez. Allez. Bravo. Eh oui, Isabella, vous avez été fort, ils sont perdus. Oui. Ils se sont perdus. Ils sont perdus parce qu'il fait noir. Mais oui, il fait tout noir. Mais surtout, vous n'avez pas récupéré les passes parce qu'ils avaient trouvé la sortie. Oui. Donc, mais bien joué. Et quelle voix, mais quelle voix, la voix. J'adore. Merci allez, beaucoup. Vous avez quand même gagné un week-end. Oh, merci. Regardez. Pour se retrouver en famille, un week-end dans l'une des résidences de notre partenaire. Les enfants Ahmed viennent, voilà, nous rejoindre sur le plateau, les aventuriers du jour, qui se sont perdus dans la boîte noire. À très bientôt. À très bientôt. Vous êtes amusés, vous? Oui. Très bien. Et si vous aussi, vous voulez venir ici affronter la boîte noire, www.gulli.fr. Et n'oubliez jamais, in the... Ciao! Au revoir et à bientôt sur le plateau d'In the Boîte! Ha, ha, Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.